Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Vers 10h, le téléphone sonne, je réponds au téléphone, allô, une voix familière. François Mitterrand à l'appareil. J'en ai assez de la cuisine de chef, j'ai une femme de la campagne dans ma cuisine. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? J'avais pas d'argent, j'étais juste divorcée. J'avais une maison quasi qui était tombée en décrépitude. Et le président de la République me demande d'être sa cuisinière? Vous dites pas non, quand même. Mais aussi pour mieux comprendre ses parcours de vie hors du commun. Grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Elle a toujours fait tout ce qu'elle avait envie de faire. Elle a besoin de ça, de ce piment, de la non-connaissance d'une situation. Je pense que c'est une exploratrice de la vie, en fait. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, un parcours insolite et très réjouissant. Je reçois une fermière aventurière qui a inspiré le cinéma. Fille de paysan, puis femme d'agriculteur et mère au foyer, eh bien, Danielle a connu un quotidien rude et précaire dans le Périgord, une vie faite de sacrifices. Mais Danielle est dotée d'une volonté de faire, et c'est son terroir et sa cuisine traditionnelle qui vont la conduire dans des endroits inattendus, jusque dans l'assiette du président de la République. Danielle va nous raconter comment on passe d'une ferme du Périgord aux cuisines de l'Élysée, mais elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle est allée jusqu'en Antarctique. Et cette rencontre, eh bien, j'ai très envie de la partager avec vous. Bonjour Danielle. Bonjour. Je suis content de vous recevoir. Que c'est beau cet endroit. Ça vous plaît? Ah, c'est très beau. Est-ce que c'est aussi beau que chez vous? Cette ferme du Périgord, vous habitez toujours? J'habite toujours, évidemment. La ferme de votre grand-mère? Oui, et d'avant, et d'avant, et d'avant. Vous êtes une fermière aventurière, ça vous va comme formule? Oh, je ne sais pas si je mérite la dignité de fermière. Aventurière, peut-être un peu. J'ai fait le tour du monde. Venez. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, un thé, un jus de fruits? Un thé, ça va très bien. Et vous êtes, on dit le Périgord, mais en fait, vous êtes en Dordogne, c'est ça? Pas loin de Brive-la-Gaillarde? Tout à fait. Parce que... Tout à fait. Ma mère est de Corrèze. D'accord. Et, parce que et mon père aussi... est périgourdin. Je vais vous installer. Parce que la mienne aussi est de Corrèze, d'Alassac, vous connaissez? Bah, évidemment. Alassac, c'est... Il y a toujours ma tata Paulette qui est là-bas. Et alors, quand je pense à ma grand-mère, je pense au clafoutis de ma grand-mère. Ah, bah oui. Est-ce que c'est pour cette raison que François Mitterrand vous a demandé de venir à l'Élysée parce qu'il voulait retrouver les recettes de sa grand-mère? Oui, en tous les cas, il m'a dit, si vous me faites la cuisine de ma grand-mère, je serai très heureux. J'ai compris à ce moment-là et j'ai compris après, par la suite, évidemment, quand vous êtes harassé de travail et de préoccupations qui n'ont pas grand-chose à voir avec la chaleur humaine, eh bien, voilà, c'est une cuisine qui rassure, réconforte. Vous avez réconforté un chef d'État, c'est pas rien comme destin. Hein? Non, non, ça va, je crois que je l'ai fait. Moi, ça me fait plaisir de vous voir en vrai. Parce que celle que j'ai à l'esprit, c'est celle qui a joué votre rôle au cinéma, dans Les Saveurs du Palais. Catherine. Catherine Freux. Oui. Et alors, je crois savoir, et je vais recevoir votre famille tout à l'heure, une de vos filles avec les petits-enfants, qu'elle a bien chopé chez vous des petits tics, des petites choses comme ça. Oui, oui. Il y a, bah, d'ailleurs, il y a une journaliste du Monde qui a dit « Elle a tout pris de Danielle, y compris son petit herpès sec. » Raphaël Baquet, voilà. J'ai un herpès sec, il paraît. Bon, ça fait quoi, 5 minutes que je vous connais, on vous aime déjà, hein. Tant mieux. Moi bon. Aussi, je dirais. Ah ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous avez repéré les Saint-Honoré? Je suis en train de loucher là-dessus. C'est vrai? Parce que des loucher, Saint-Honoré... Loucher, c'est pas le mot, voilà. Parce que le Saint-Honoré, c'est un symbole, d'abord parce que vous avez travaillé à l'Élysée, donc rue Saint-Honoré, et ensuite que la crème mémé... La crème mémé, c'est une crème de votre grand-mère ou de votre mère? De maman. Enfin, je vais goûter celle-là et vous me dites si elle est à la hauteur. Oh, c'est toujours à la hauteur. En tous les cas, c'est beau, mais bon, c'est peut-être un peu... Peut-être un peu quoi? Bon, c'est un peu bizarre. Oui, et vous voyez, comme c'est drôle, il y a plusieurs exercices de style. Je dirais que le pâtissier a voulu faire voir qu'il était un bon pâtissier. Donc il y a de l'ego. Voilà, peut-être un peu. Et c'est compliqué. C'est dommage, là. C'est dommage. Ça n'a pas besoin de ça en cuisine. C'est la première fois qu'on se rencontre. Je vous ai demandé de m'envoyer des photos de votre existence. Je vous laisse parcourir la maison, j'ai exposé vos photos. Et on se retrouve dans le salon. Ça vous va? Très bien, c'est pareil. Très bien, à tout de suite. À tout de suite.
was on fire, no one could save me but you. It's strange what this I would make foolish people do. Trop mignon. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. Retour d'Antarctique. No, de voir ces images, une vie entière comme ça sous vos yeux. Oui, il y a des belles choses. J'ai vu des photos de mes enfants tout petits, Anne quelques mois, la maison de mémé. C'est très doux. C'est très doux. Quand on regarde cette petite fille, c'est vous, enfant. Oui. Si par magie, l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait pu lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? À ce moment-là, j'étais la plus petite de la famille. J'étais vraiment chouchoutée. Et moi, j'adore cette pomme, mais je l'adore complètement. Et en allant à l'école, je passais à côté de l'espalier où il y avait des pommes comme ça. Et mon père en gardait deux ou trois qui faisaient grossir comme des fruits magnifiques. Et j'étais passée derrière l'espalier et j'avais croqué tout l'arrière. Et un jour, en rentrant de l'école à 4 heures, il y avait mon père qui était assis et la pomme à moitié croquée devant. Et dans mon esprit, je n'arrivais pas à comprendre comment il savait que c'était moi. Évidemment, il y avait mes petites dents, j'avais croqué l'arrière, sans la détacher absolument. Ce qui fait qu'il la voyait mûrir très très belle et tout l'arrière était croqué. Alors voilà, il y avait une innocence, une grande innocence, vraiment. Daniel naît en banlieue parisienne au moment de la Seconde Guerre mondiale. Dernière d'une fratrie de quatre, son père est allumeur de réverbères et sa mère veille sur le foyer. Dans la famille, l'éducation est stricte, suivant les règles d'une époque révolue, mais cela n'empêche pas la chaleur et la bienveillance d'y régner. Enfant, je faisais une bêtise et j'étais punie. À table, on ne parlait pas. Il y avait beaucoup de tendresse, mais une très grande fermeté. Enfin, on était vraiment éduqués à... On se tient, on ne fait pas n'importe quoi. Dans la vie, il faut faire ce qu'on doit faire et ne pas accepter « je fais ce que je peux ». Ça, c'est zéro. Et quelle est la place de la cuisine dans votre vie à ce moment-là? Qui cuisine autour de vous? Maman, bien sûr. Bien voilà, comme faisait maman, mes sœurs. Quel genre de cuisine? Eh bien, chacune selon leur vie. Ma grand-mère était une paysanne corrézienne qu'on venait chercher de fort loin pour les mariages et pour les fêtes. Ma grand-mère maternelle. Après, maman et sa sœur étaient des cuisinières hors ligne. Alors sa sœur, qui a toujours habité à la ferme, faisait de l'excellente cuisine paysanne. Mais maman, qui économiquement s'est retrouvée à Paris, elle a ajouté les fastes de la cuisine bourgeoise, ou je dirais petit bourgeoise. Mais ça, c'était les soufflés, les timbales, entre autres. Et puis comme on avait naturellement des légumes sensationnels, des fruits magnifiques, on élevait des poules, si vous voulez, c'était un mix de cuisine de merveilleuse qualité, et déjà avec des raffinements de la cuisine bourgeoise de la part de maman. Ça donne faim. N'est-ce pas? Alors, presque aussi, alors. Alors, ce qui est fou, c'est que vous êtes à Paris à l'époque, et dans mon esprit, Paris, c'est la ville. Dans votre esprit à vous, Paris, c'est presque la campagne. Ben, c'est tout à fait la campagne, parce que d'abord, il y a plein de jardins tout autour, et puis on est à Cachan, sur le bord de Cachan qui touche la porte d'Italie. Et on a des chèvres, on faisait des foins, on prenait le métro Petite Ceinture pour aller faire des pique-niques. Et on allait faire brouter les chèvres au parc Montsouris. Ah, c'est vrai que j'ai eu une histoire là, je me suis fait gauler, si j'ose dire. À
à côté de chez nous, il y avait un monsieur qui avait un troupeau de chèvres. Et à ce moment-là, il amenait son troupeau de chèvres, pâturé, au parc Montsouris. Et un jour, j'ai fait l'école buissonnière. C'est chez les cours. On est allé jouer, je devais avoir 6 ou 7 ans. Donc, je suis allé jouer au parc Montsouris. Transgression. Mais le chevrier m'a vu et il a dit à mon père, et je me suis fait vraiment, mon père tirait les petits cheveux derrière là. Ça, c'était une très, très, très grosse bêtise. Ce père autoritaire et tendre disparaît alors que Daniel n'a que 9 ans. Sa mère, qui ne travaillait pas, doit maintenant subvenir aux besoins de la famille. Elle prend alors une décision radicale, retourner dans la ferme de ses parents, la Borderie. C'est ainsi que Daniel s'installe dans le Périgord, un monde à l'opposé de tout ce qu'elle a connu jusque-là. On arrive là, il y a pas l'eau, et là, sur la totalité de la maison, il y a trois ampoules. On n'était pas pauvres, mais on était modestes. Mais je rentre en pension. Et là, en pension, je commence à me régaler. C'est-à-dire ? Ben, j'ai commencé à travailler à l'école d'abord. Alors après, ça devient un amusement d'être première de sa classe. Voilà, première ou deuxième, je sais qu'on était deux. En compète. Voilà, et puis ça marche. Et puis je monte une troupe de théâtre, et puis voilà... À 19 ans, vous allez rencontrer Jean-Louis, avec qui vous vous mariez, et vous vivez dans la ferme familiale. Jean-Louis était un fils d'agriculteur, paysan dans l'âme, ça veut dire qu'il connaît bien la terre et les choses de la terre. Et moi, je voulais vivre à la campagne. Ça, c'était... Voilà, je me sentais tout à fait prête pour ça. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais être comédienne, mais je n'ai pas eu le droit, après le bac, d'intégrer quelque étude que ce soit, conservatoire ou quoi. De quoi, de la part des parents, pas le droit ? De la part de ma mère. Mon père n'était plus vivant, mais ma mère m'a dit non. Elle m'a dit non, c'était pas une vie. Quoi. Trop précaire. Alors, il y a des gens qui le font, mais moi, je ne l'ai pas fait. Et puis, simultanément, j'ai rencontré mon mari. Enfin, on m'a fait rencontrer mon mari, et je dois dire que je suis tombée tout à fait amoureuse de mon mari et de ses beaux yeux bleus. Et le fait d'épouser un paysan agriculteur m'allait très bien. Mais bon, après un enfant, deux enfants, et puis des quelques trois, départs, quatre. Voilà. Et donc votre mode de vie, avant de comprendre qu'à un moment donné, il y a eu des dettes qui ont fait que votre vie a basculé. Mais donc, c'est quoi le quotidien de votre vie à ce moment-là ? Le quotidien, c'était d'abord chercher à gagner un peu d'argent pour élever les enfants, mais c'était. Vous n'avez toujours pas l'eau courante à ce moment-là. On a eu l'eau courante 2-3 mois après la naissance de notre quatrième enfant. Mais à quel moment la cuisine, du coup, rentre dans votre vie ? Subitement, j'ai dit, bon, maintenant, je veux faire quelque chose avec le peu de terre que j'ai et les habitudes et tout ça. À ce moment-là, mon mari ramenait un petit salaire, bon, très bien, et j'ai dit, je vais faire du foie gras. Mais le foie gras, c'est le foie d'oie. Donc, il fallait élever des oies. Donc, je m'y suis mise. Alors, je vais vous dire, c'est un travail tout à fait barbant. Mais à ce moment-là, c'est un travail qui se faisait, qui était tombé en désuétude un peu, et qui se faisait dans les fermes à l'initiative de la femme la plus âgée. Et les hommes ne trempaient pas là-dedans. C'est un boulot de mémé, quoi. Bon, alors moi, j'ai... Voilà. Et finalement, les premiers sous, je me souviens, c'était pas beaucoup, mais les premiers sous, mon mari a dit, oh, ça va être sympathique, on va faire je sais plus quel travail, acheter un truc nouveau, un tracteur ou quelque chose pour le tracteur. Ah, j'ai dit, pas du tout, moi je pars à Florence avec ma sœur. Je suis allée dépenser les sous à Florence avec ma sœur. J'étais jamais sortie de France, c'était le moment où jamais. Là, c'était ma première rébellion. Alors après, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'une maison. Il faut faire venir des gens. Je sais faire des pâtés et tout ça, et ma mère veut m'aider. Les pâtés, les confits. Il faut faire venir des gens. Comme ça, on va construire une maison avec 5 chambres d'hôtes. Et puis, on va recevoir les gens. Et voilà. Bon, mon mari a dit, oulala. Le banquier a dit, sûrement pas. Le directeur du tourisme a dit, restez chez vous. Ça s'est jamais fait, ça marchera jamais. Et moi, je savais que ça devait marcher. Donc, c'est-à-dire que tout le monde vous décourage. Absolument. Et là, vous dites... J'y crois, et vous allez être une pionnière. Vous allez être, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des chambres d'hôtes. À l'époque, ce n'est pas si courant. Il n'y en avait pas. Et là, vous inventez les week-ends foie gras. Voilà, les gens viennent pour apprendre à cuisiner le foie gras. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que personne n'y croit. Vous avez cet instinct, cette intuition, et ça va cartonner, comme on dit aujourd'hui. Cartonner, absolument. On a reçu d'entrée 300 personnes par an pendant 10 ans. C'est-à-dire que les gens venaient même du monde entier, passer des week-ends à la campagne l'hiver.
vendredi, samedi, dimanche. Ils repartaient avec leur conserve et bien contents. Et vous faisiez quoi à manger alors? Là, j'ai vraiment appris à faire la cuisine. Parce que j'avais quand même des gastronomes qui sont arrivés. Mais le vendredi, quand ils arrivaient, c'était rillettes, confit, pommes de terre sarladaise, fromage, clafoutis. Celui de ma grand-mère. Mais c'est vrai, maman faisait clafoutis. Et ça marche. Ces week-ends gastronomiques, imaginés par Daniel, qui a alors 32 ans, rencontrent un succès grandissant. Venus de France, mais aussi des États-Unis, des clients prestigieux se pressent à la table de Daniel. Cette belle aventure se poursuit pendant 8 ans, jusqu'à un jour de printemps 1982, où Daniel reçoit un courrier de la Direction Générale des Impôts. Et là, vous découvrez que vous avez des dettes. À un moment donné, vous avez des dettes. Il y a un moment, l'inspecteur des impôts, bon, l'inspectrice des impôts, c'est une dame qui, elle nous est un peu tombée sur le poil, j'avoue. Je tombais des nues, parce que, mais enfin, bon, ça, c'était assez bizarre comme moment. En tous les cas, je suis revenue à une dure réalité. Donc, ça vous tombe dessus, le fisc vous explique que vous avez des dettes. Oui. Comment on vous dit ça? Qu'est-ce qui se passe? On reçoit un papier, j'ai cru d'abord qu'ils étaient trompés, il y avait un zéro en trop, mais pas du tout. Alors après, il y a les longues discussions, si vous voulez, pied à pied. Bon, j'étais pas du tout armée pour ça. Maintenant, je le serai davantage. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Vous avez oublié de payer des impôts? C'est quoi le problème? Non, j'avais pas fait vraiment des déclarations qui comprenaient les biens. Et à ce moment-là, je dois dire que mon mari a dit, bon, ben moi, je m'occupe pas de ça, c'est trop con. Voilà, je sais pas faire ça. Alors moi, j'ai dit, je m'y colle. Bon, alors je suis arrivée à faire descendre quand même des limites, toujours pas raisonnables, mais quand même peut-être abordables en pensée. Mais comme on n'avait pas le premier sou, j'ai dit, bon, ben, maintenant, il faut que j'aille penser aux choses d'un peu loin parce que c'est trop, quoi. Et c'est là que je suis partie en Amérique. Alors, attendez, c'est fou, cette phrase. Parce que, attendez, vous n'avez jamais pris l'avion de votre vie, vous ne parlez pas anglais. Et pour régler vos problèmes de dette, vous avez l'idée de partir en Amérique. Ça vous vient comment? Ah non, il fallait que je regarde cette situation de loin parce que je... c'était trop, quoi. C'était trop. Il y a un moment de résignation. Et j'avais une stagiaire américaine adorable qui m'avait dit, Daniel, mon pays, c'est un pays pour toi. Alors, vous décidez de partir en Amérique pour prendre du recul. Vous n'avez jamais pris l'avion de votre vie, mais vous partez de Brive en train. Oui, j'étais triste. J'avais peur. Vraiment peur. Peur de quoi, à ce moment-là? J'avais peur de prendre l'avion, pour commencer. Et j'avais peur de... J'avais peur de l'inconnu. J'étais à terre. J'étais à terre, on va dire. Et c'est mon fils, c'est né, qui a vraiment rassemblé ses économies. Et je le vois, il a courir le long du train au moment où le train commençait à partir avec un gros bouquet de fleurs qui m'a jeté, qui m'a dit « Bon courage, maman ». C'est une scène forte, ça. Oui. Très. Alors, vous décidez de partir en Amérique et donc vous atterrissez à New York. Et vous allez où? Je suis arrivée à New York, je connaissais personne et j'avais un jour de battement, je crois, pour prendre mon prochain avion. Et vous ne parlez pas anglais? Et je ne parle pas anglais. Mais j'avais appris qu'il y avait quelque chose comme les auberges de jeunesse. Donc je me suis renseignée, on m'y a conduit. Et j'y ai passé la nuit. Comme je n'avais pas un sou, j'ai attrapé dans le... Il y avait un endroit où on mangeait à côté et j'ai demandé du boulot et j'ai fait la vaisselle. Donc vous arrivez en Amérique, vous prenez l'avion pour la première fois de votre vie, vous ne parlez pas l'anglais et vous faites la plonge. Ça n'a pas duré. Alors qu'est-ce qui se passe juste après? Alors après, j'avais eu une Américaine qui parlait français, qui était venue chez moi, qui m'avait dit, si tu viens, voilà, je te reçois à Ithaca, de temps à temps, tu donneras un petit cours de cuisine et tu feras 3 sous et tu iras ailleurs. Et alors, c'est là que j'ai découvert que les Américains, ils sont... tu veux faire ça? Ok, on t'aide. Bon, après, il faut y aller. Mais si vous voulez, il y a cette chose d'entraide. Alors là, pendant que j'étais à Ithaca pour 3 jours, il est arrivé une proposition pour que j'aille à Buffalo. Voilà, donc je suis allée à Buffalo, et puis voilà, et j'ai un cours de cuisine, plus un cours de cuisine, plus un cours de cuisine. Vous donnez des cours de cuisine aux Américains? Voilà. À ce moment-là, j'avais un ami américain, Gregory Asher, qui à ce moment-là m'avait dit, il te faut un paquet de recettes, quand même, je te les ferai traduire à l'école et tout, et comme ça, tu pourras aller d'école en école si on veut de toi. Et voilà, et d'une école à l'école, il prévenait la copine de tel endroit, j'ai commencé à faire le tour des États-Unis comme ça. Installé à Boston, Daniel part à la conquête des États-Unis. Et cela commence par la Culinary Guide of New England, où elle donne des cours et parle de foie gras. Elle rencontre Julia Child, grande prêtresse de la nourriture française outre-Atlantique.
Grâce à elle, Daniel connaît un grand succès là-bas, ce qui lui permet de rentrer en France pour honorer ses dettes. J'ai pris un rendez-vous avec la direction générale à Bordeaux. J'ai dit, écoutez, je veux payer, mais là, j'ai pas un sou. J'ai rien du tout, mais je veux payer. Je vais payer, mais il faut me donner un délai, ce qui ne se fait pas. Et puis après, une mensualisation. Sans ça, j'y arriverai pas. Et il m'a dit, madame, vous êtes courageuse, je vous donne un an de délai. Je vous donne un an de délai, mais après, il ne faut pas rater. Hein. Et après, la mensualité était très, très lourde. Mais voilà. Donc, j'ai fait des voyages. Donc là, vous faites des allers-retours. Je rentrais un mois pour régler un peu les affaires de la maison et dire aux enfants, bon, accrochez-vous, parce que voilà. Alors, il y en a qui se sont accrochés. Certains ont trouvé ça un peu rude, je crois. Votre absence. Il y avait de quoi. Mais enfin, il y avait ma mère, il y avait leur père. On a quoi, 15-16 ans à ce moment-là. C'est ça. Mm-hmm. Alors, pendant 4 ans, j'ai fait ça. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et ce qui est fort aussi, c'est que vous auriez pu prendre la décision de vendre cette maison familiale dans laquelle vous vivez. Non. Ça, c'est l'idée de votre mari, et c'est là que vous y avez une divergence. Mon mari m'a dit, il faut vendre et on part au Canada. J'ai dit, moi, un, je ne pars pas au Canada. Secondo, je ne vends pas. Et dans la foulée, je pense que mon couple a éclaté. Donc, les choses de la vie font que, voilà. Séparation. Oui. C'est là que vous allez recevoir un coup de téléphone un peu particulier qui va, là aussi, marquer votre destin. Alors, c'est quoi ce coup-tu? Le président de la chambre syndicale de la haute gastronomie française. Alors, pour moi, c'est comme le pape, quoi. Si vous voulez, je ne sais même pas que ça existe, si vous voulez. Il me cherche, il me veut me trouver. Et voilà, voilà. Là, vous ne savez pas pourquoi, à ce moment-là? Ah, pas du tout. Et finalement, ce monsieur, j'appelle, et il me dit, madame, s'il vous plaît, je vous envoie une voiture. Pouvez-vous me donner une heure ou deux? Donc, très bien. Elle m'envoie une voiture et on m'emmène chez Jacques Lang. Un haut fonctionnaire français cherche une cuisinière à domicile. Mais là, je me suis dit, en face de Jacques Lang, c'est ça, c'est lui qui veut une cuisinière. Chic, je vais enfin intégrer ce groupe. Et alors, je vois Jacques Lang qui me dit, un haut fonctionnaire français. Et moi-même, je me disais, il parle quand même pas de lui à la troisième personne. Il parle pas de lui à la troisième personne. Donc, c'est pas lui. Bon, alors, j'ai dit, ça va, ça m'intéresse pas. Alors, il me dit, madame, pouvez-vous nous donner 2 heures de plus? Je vais vous donner une voiture pour vous amener 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Alors j'ai dû avoir l'air un peu ahuri parce qu'il vous me dit, savez pas. Vous savez où c'est? Non, pas vraiment. C'est l'Élysée, madame. Et alors là, à l'Élysée, je me suis dit, bon là, je suis dans quelque chose qui est très chaud. C'est pas de mon niveau. Je me trouve en face d'un directeur de cabinet, donc du directeur de cabinet de François Mitterrand. Un haut fonctionnaire français. Alors là, vraiment, là, j'ai dit, qui c'est ce haut fonctionnaire? Moi, j'ai dit, écoutez, monsieur, moi, j'ai des brebis en train d'agneler et je repars ce soir. C'est monsieur le président de la République. Mais ne prenez pas de décision, réfléchissez 2 jours, je vous rappellerai, rentrez chez vous, puisque vous avez... Ah, mais j'ai dit, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est pas possible, si vous voulez. J'avais pas d'argent. J'étais juste divorcée. J'avais une maison quasi qui était tombée en décrépitude. J'avais des brebis qui agnelaient. J'avais pas du tout envie de faire ça. Bon, voilà. J'avais rien. Mes enfants étaient un petit peu partout. J'avais pas trop de nouvelles ni rien. Et le président de la République me demande d'être sa cuisinière. Vous dites pas non, quand même. Enfin, moi, j'ai pas dit non. Et après, je sors de là et je me dis, j'aurais jamais dû accepter ça. Et puis, le lendemain, j'étais toujours dans le même trouble. Le téléphone sonne, je réponds au téléphone, allô, une voix familière. Madame Delpeux, oui. François Mitterrand, à l'appareil. Eh bien, j'ai même pas eu peur. Même pas peur. Ça m'a paru tellement normal. Et en plus, il m'a dit juste 3 mots. Il m'a dit, j'ai appris que vous alliez... rejoindre l'Élysée, nous vous attendons, je vous recevrai quand vous serez là. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur le président. Voilà. Nous sommes en 1988 et Danielle devient la première femme à diriger la cuisine privée de l'Élysée. Mais ce lieu chargé d'histoire ainsi que les responsabilités qui l'accompagnent impressionnent fortement cette grande cuisinière venue du Périgord. J'étais un peu tremblante, mais les intendants et tout ça, ils ne m'ont pas du tout impressionnée. C'est un monde très loin de moi. Donc, si vous voulez, ni il me fait peur, ni il m'impressionne, mais
je le comprends pas. Je comprends pas ce qu'il me dit ni comment il me le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, de quoi il parle? Ben, je sais pas. Il dit, voilà, le président veut ci, veut là. Ça n'a pas de rapport avec cette personne ampoulée. Puis bon, le président de la République, attends, c'est le président de la République. Voilà. On vous dit qu'il attend quoi de vous à ce moment-là? On me dit rien. Donc vous savez pas? On me dit qu'il veut une cuisinière à domicile. On me dit juste, le président a dit, j'en ai assez de la cuisine de chef, j'ai une femme de la campagne dans ma cuisine. Voilà, ça a été ça, mon introduction. Et alors, la première rencontre avec le président de la République? C'est dans une porte. C'est-à-dire? Et ben, c'est-à-dire qu'un jour, je rentrais du marché, je ne sais pas, vers 7 heures, et les portes de service étaient fermées. Donc j'ai dit, bon, je vais passer par les salons, il n'y a personne et tout ça. Puis j'avais deux sacs de chaque côté, je me souviens. Et à l'Élysée, comme dans tous ces endroits historiques, les portes sont à deux portes, il y a un sas entre les deux portes. Alors j'ouvre les premières portes, je pose mes sacs, je passe, j'ouvre les deuxièmes, François Mitterrand. Bonjour Monsieur le Président, je l'ai reconnu évidemment. Bonjour Monsieur le Président, je suis passée par là, les portes étaient fermées, je suis la cuisinière, mais je sais, enfin bon... Et deux jours plus tard, il vous donne rendez-vous, et cet entretien va durer spécialement longtemps, c'est-à-dire que son entourage se demande bien ce que vous vous êtes raconté. Le directeur du cabinet me dit, est-ce que je peux vous demander ce que vous a dit le Président? Je dis, non. Et il m'a dit, mais vous rendez compte, 1h15, et il y a des chefs d'État qui n'obtiennent que 2 minutes, 3 minutes. Je lui dis, c'est parce que certainement la cuisinière est plus importante aux yeux du président. Et je vous dis. On voit le personnage. Et donc, en fait, voilà, il y a les repas officiels, le protocole, et vous, il vous demande de faire la cuisine privée. Oui, ses amis, ses quelques collaborateurs, ses choses privées, voilà. Mais bon, je sais. Là, vous lui demandez quelques instructions, il vous dit quoi donc? Voilà, il me dit, si vous me faites la cuisine de ma grand-mère, je serai satisfait. Est-ce que c'est une instruction assez claire pour vous? Tout à fait. Mais c'est pas si facile. C'est pas facile. C'est ce que je lui ai répondu d'ailleurs. Personne ne peut égaler les grand-mères, mais je peux essayer. Et alors, comment ça se passe justement? Parce qu'on va voir pourquoi. Après, c'est le travail, si vous voulez. C'est une affaire de. Non, c'est comme dans toutes les maisons bourgeoises, si j'ose dire. Moi, j'ai un titre que j'aime beaucoup. Enfin, j'occupe un métier, une profession que j'aime beaucoup qui s'appelle cuisinière en maison bourgeoise. Ça dit un type de cuisine, ça dit. Une attention particulière aux autres. Ça dit une confiance et je ne sais plus, quelqu'un qui me disait, il n'était pas difficile, François Mitterrand. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je veux dire, en tous les cas, tout le monde sait, moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec François Mitterrand. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant 2 ans? Les moments de stress, c'est quoi? C'est quand on vous prévient parfois au dernier moment pour tout le temps. Menu. Tout le temps, au dernier moment. Bien sûr. Je voyais débouler un maître d'hôtel qui descendait les escaliers 4 à 4 pour dire 6 couverts dans 1 heure, Daniel. Voilà. Et alors là, y aller. Et là, vous saviez ce que vous alliez faire à manger? Il y avait un marché. C'est-à-dire qu'on suit un peu les événements. Si le président est à l'autre bout du monde, on sait qu'il n'y aura pas de repas pour la table privée. Donc s'il a des réunions de travail sur l'Élysée scindées en plusieurs morceaux, là, il y a une chance d'avoir un repas. Enfin bon, on le sait, c'est prévu, si vous voulez. On vit en osmose avec le travail du président. Et donc un travail qui est soumis aux aléas de l'actualité, notamment, et donc dans des périodes très difficiles, où il y a des tensions internationales, des tensions nationales. Est-ce que vous faites des fois des choses plus réconfortantes, par exemple? Toujours. Mais, oui, mais si vous voulez, ça, je dirais, c'est un peu, ça rejoint un peu les préoccupations d'une mère de famille. Je crois que c'est ce qu'il attendait, d'ailleurs. Et votre tenue vestimentaire, par rapport au protocole? Ah oui, on m'avait dit, on va vous donner des vêtements et tout. J'ai dit non, moi, je ne fais pas concurrence. Des vêtements blancs, des vêtements de cuisinier, une toque et tout. Je dis, vous plaisantez ou quoi? J'ai dit non, moi, je m'habille comme les femmes. Je me suis toujours habillée comme ça, comme les femmes de la campagne. Je suis une femme de la campagne et je m'habille comme ça. Et peut-être le président m'a dit devant témoin, j'aime beaucoup la façon dont vous habillez, Madame Delpeux. C'est comme les femmes de nos campagnes. Il a arbitré, en fait. En tous les cas, il m'a permis... de tenir. Voilà. De tenir tête. De me dire, bon... Dans le film, il y a un enjeu très fort parce que le personnage du film, c'est votre vie. On découvre que vous arrivez avec votre... Avec ma grande naïveté. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne marche pas dans la vie en pensant que tout le monde m'en veut.
Donc je ne vois pas venir la plupart des pots de bananes. Alors, comme je ne les vois pas venir, je les évite la plupart du temps. Et là, on pense que je suis très, très intelligente. Donc, on m'en met des plus grosses. Et là, je les remarque à l'avance et je réagis. Les rivalités, c'est quoi? C'est entre la cuisine privée et la cuisine protocolaire, par exemple? Qu'est-ce que c'est? J'ai fait un choix de carrière, c'est la liberté. Mmh. Bon, là, il y a une discipline militaire, c'est le chef de l'État. Et donc, on n'explique pas c'est forcément... C'est la marine qui est à l'Élysée, au service de l'intendance et de la cuisine. C'est la marine. Je ne suis pas rentrée dans l'armée. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de vous que vous ne voulez pas faire, je comprends pas. Ils attendaient de moi que j'obéisse, que je sois sage, que je leur répète les potins que j'entendrai, que je, voilà, obéir peut-être et encore. Rapporter les potins, ça ne m'intéresse pas. Être sage, pourquoi pas, si mon travail n'en dépend pas. Danielle peut bien agacer, mais peu importe, elle s'en moque, car elle enchante François Mitterrand, qui goûte les bonheurs simples que les plats réconfortants de Danielle lui procurent. Elle obtiendra même le droit de choisir ses fournisseurs. Mais après 2 années au service de l'État, elle décide de reprendre sa liberté pour voler vers de nouvelles aventures. Après une expérience comme celle-là, qui est très particulière, unique et très forte, qu'est-ce qu'on peut attendre, j'ai envie de dire, des émotions professionnelles qui vont arriver? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit « Waouh, j'ai vu qu'un truc très fort et tout ce qui va suivre sera fade » ou est-ce que vous avez des envies en sortant? Non, non, pas du tout. Moi, je rentre chez moi et je sais que dans ces moments de latence, il faut se reposer, essayer de mettre les papiers à jour et tout ça parce qu'il y a quelque chose qui va venir. Ça, c'est votre philosophie? Ah oui, ça se passe comme ça. C'est l'expérience qui vous dit ça? Eh oui. Et donc, il s'est passé quoi après l'Élysée pour vous? Des voyages partout dans le monde? Des voyages partout. Ben voilà, j'ai besoin de gagner ma vie, je vais sur Internet. Alors, ANPE, International. Alors, on vous demande combien vous voulez gagner. Alors, le salaire le plus haut, le plus possible. Naturellement, vous voulez aller tout continent, le plus loin possible. Et qu'est-ce que vous voulez faire, cuisinière? Et quelles sont vos références? Excellentes. Enfin, voilà, très bien, machin. Vous répondez avec des petits carrés. Et puis, boum, je vois un truc. Antarctique. Cuisinière en Antarctique. Un très gros salaire. Cuisinière en Antarctique pour une mission. Ouh là là, je me dis, ça c'est loin, je voulais partir loin. Ben oui, le plus loin possible, vous avez dit. Ben on ne peut pas aller plus loin. Ben voilà, j'ai dit ça, l'Antarctique, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui vous attire à ce moment-là? Ah, je ne sais pas. Alors, c'est ça qui est fou. L'inconnu ne vous fait pas peur? La peur, si elle arrive, elle est après, quoique, de moins en moins. Mais bon, après l'Antarctique, je... Alors attendez, on revient sur l'Antarctique. J'avais eu ma dose. On revient sur l'Antarctique. Là, vous voyez cette annonce. Vous avez dit le plus loin possible, Antarctique. Et un poste de cuisinière sur une base. Donc de pour quoi, un hivernage de 14 mois. Donc 14 mois isolés qu'avec des hommes scientifiques. Oui, mais des sous. Donc il y a un numéro de téléphone, j'appelle la dame, bon, on bavarde un moment, elle a dû penser que psychologiquement ça devait aller à peu près, si vous voulez, on bavarde un petit peu. Alors elle m'a dit, bon, alors on va passer à travers les conditions. Bac pro, ben, j'ai dit non. J'ai un bac littéraire, ça ne peut pas faire pareil. Alors elle m'a dit non, normalement non, ça ne fait pas pareil, mais quelles sont vos références? J'ai dit, j'ai été chef de cuisine à l'Élysée, dans un service privé. Ah bon, alors ça ira pour les références, c'est très bien. Alors très bien, je convenais à peu près, mais elle me dit, écoutez, vraiment, c'était sympathique de parler avec vous, mais je ne vais pas vous donner d'espoir parce qu'ils ne prennent pas les femmes. Je dis, mais sur l'annonce, c'est homme-femme. Elle me dit, oui, mais madame, ça, c'est la loi. Je vous dis, dans la règle, ils ne prennent pas les femmes. Elle me dit, quel âge vous avez? Je dis, je vais avoir 60 ans. Alors, elle me dit, madame, la limite d'âge est 30 ans. Je dis, parce que je suis une femme et de 60 ans, vous me dites que je ne peux même pas vous envoyer mon dossier? Ah, j'ai dit, il faut me l'écrire. Parce que ce n'est pas le texte de l'annonce. Il faut me l'écrire. Elle m'a dit, écoutez, je garde votre dossier, je mets sur la pile. Donc et déjà, là, c'est intéressant, j'ai dit, parce je que pars. Des obstacles, il y en a. C'est-à-dire, on vous dit, bah voilà, vous êtes une femme et vous n'avez pas 30 ans. Donc vous, les obstacles ne vous font pas peur, c'est tirer des enseignements. Non, c'est-à-dire que je sais que je vais y aller et je ne sais pas pourquoi. Vous êtes allé en Antarctique, c'est incroyable parce qu'on vous a demandé de réconforter un chef d'État et là, on vous demande de réconforter des scientifiques qui sont dans un endroit qui n'est pas humain. On ne me demande pas du tout de réconforter un chef. On me demande de faire partie d'un hivernage. Ce n'était pas du tout la notion de confort, hein, pas du tout. Et d'ailleurs, quand tu es arrivé, on m'a dit comment on t'appelle, mamie. À l'époque, il y avait le film Tati Daniel, ce n'était pas un compliment. mamie, grand-mère, tata, comment tu veux qu'on t'appelle? J'ai dit, oh, si ça ne vous fait rien, vous m'appelez Daniel. Tant qu'à faire.
Mais là, les des grands gaillards. Mais là, les produits frais. Comment on fait pour cuisiner? Ah non, mais ça, il y a aucun problème de ce côté-là. Il y a des congélateurs. Ensuite, le bateau amène tous les produits qu'on veut. Il y a des serres sur les bases pour des herbes, des légumes frais, des salades en renouvellement. Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est l'abondance des marchés, d'un bon marché parisien ou limousin, mais non, il n'y a pas de souci avec les produits frais. Et alors, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience si particulière? Ah, j'étais fière, hein. Un hivernage, c'est quelque chose. Je vais vous dire, un hivernage, c'est quelque chose. J'en ai retiré une force, une grande force. Une forme aussi de tendresse pour certains de ces gars. Là, il y en a quelques-uns qui m'ont fait passer quelques mauvais moments, mais parce que c'est difficile, un hivernage. Je les comprends tout à fait. Qu'est-ce qu'on appelle un mauvais moment au bout du monde? Les hommes en situation affective difficile sont violents, les uns avec les autres. Envers les autres. Donc, ils étaient brutaux. Et cette brutalité s'exerçait avec tous les relents du sexisme, machin, idiot, ridicule, vulgaire, enfin bon, voilà, très bien. Et ça, vraiment, c'est parfois difficile à supporter. Incroyable parcours. Est-ce que vous réalisez que vous avez vécu tout ça? Vous êtes la somme de toutes ces expériences? Je réalise? Non. Je réalise pas? Non, non, c'est mes... Non, je réalise pas. Je l'ai vécu, j'ai pas besoin de le réaliser, comment dire. Aujourd'hui, votre vie, c'est quoi? Waouh! Je voudrais avoir un peu plus de temps à moi. Ah oui, vous êtes occupée? Très occupée. Vous partagez votre temps entre très occupée, quoi? Très occupée. Ben, si vous voulez, après le film, il y a eu une promotion intensive pendant 2 ans. J'ai fait des tas de pays. Enfin, bon, tout ça, ça m'ouvre. Je retombe dans la truffe qui est l'amour de ma famille, en fait. C'est la passion. Enfin, je crois que si la Borderie est sortie de la pauvreté, c'est avec la truffe. Et puis, en même temps, maintenant, j'amène le Japon. Je ne veux pas recevoir 2 quarts de Japonais par semaine, mais j'ai trouvé un beau petit château magnifique. Et ils ont des truffiers, ces gens-là, des truffières. Donc, s'ils veulent faire la visite de truffière, je ferai la cuisine en suivant, mais voilà, un maximum 20 personnes et pas tout le temps. Vous mettez vos conditions, mais vous continuez. Ben voilà, c'est ce que ça m'a apporté, c'est ce que ma vie m'a apporté, c'est que maintenant, je peux dire ben non. Dans un instant, vous allez me présenter l'une de vos filles avec deux de vos petits-enfants qui vont nous dire effectivement ce que ça leur fait d'avoir quelqu'un d'inspirant dans la famille. Et puis, Inspirant, non, non. Bon. Mais je suis très émue, vous savez, parce que moi, je n'ai jamais posé ce genre de questions. Il me semble que je sais des choses de ma fille, mais de mes petits-enfants. Vous ne savez pas comment ils vous voient? Ben non, c'est un tel miracle, si vous voulez. Merci pour la confiance, en tout cas. Avec plaisir, c'était un réel plaisir. Et en plus, j'aimerais bien que ça ne s'arrête pas. Moi non plus, c'est pour ça qu'on continue. Ah bah voilà, bah avec ses regards extérieurs. À tout de suite, je vais les chercher. Si tous mes invités, comme Daniel aujourd'hui, surmontent les obstacles, c'est aussi grâce à des rencontres. Mais un mystère demeure, comment a-t-elle fait? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter sa fille et deux de ses petits-enfants. Afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. Elle m'a appris depuis que je suis toute petite qu'il ne faut pas se mettre des barrières, faire ce qu'on a envie dans la mesure du possible. Je n'ai pas du tout eu jamais l'impression qu'elle ait craint une aventure ou redouté, bien au contraire. Je pense qu'elle a besoin de ça, de ce piment qui permet d'être propulsée vraiment dans l'extraordinaire. Quoi, voilà. Merci sincèrement d'être là. Moi, j'ai fait une très, très, très belle rencontre de quelqu'un que vous connaissez bien. Alors, tout le monde dans la vie n'a pas une grand-mère dont on adaptait la vie au cinéma. Oui. Ou une maman dont on adaptait un morceau de l'existence au cinéma. Et moi, j'ai besoin que vous me disiez évidemment ce que ça fait de voir Catherine Froid, une des plus grandes actrices françaises, de jouer la vie de sa propre maman. Et puis aussi que vous m'aidiez à comprendre ce que finalement cet être humain vous a transmis. Parce que c'est un parcours de vie très particulier, avec des moments où il y a des obstacles et des difficultés, et donc il y a des réactions très particulières, et voir quels enseignements, quelles clés, finalement, on peut tous tirer pour nos existences à nous. Julia, vous vous rappelez de cette période, parce que vous aviez quel âge quand elle est partie, par exemple, aux États-Unis, au moment où elle a des dettes? Je devais avoir 14-15 ans, à peu près. 15 ans. Donc pleine adolescence. Vous rappelez de la situation? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est une vie merveilleuse, mais à ce moment précis, elle dit « j'étais à terre ».
C'est-à-dire qu'en fait, il y avait ces week-ends auxquels personne ne croyait, les week-ends foie gras, et puis à un moment donné, bah, elle avait tellement travaillé, ce que j'ai compris, c'est que bon, c'était pas de la gestion, son métier. Et là, vous comprenez comment, vous, à l'adolescence, que ça va pas ? Non, on sentait pas cette difficulté, en fait. Pour moi, c'était une envie d'évasion de ta part, je pense, un besoin d'aller ailleurs, découvrir encore, avec cette curiosité toujours pour tout ce que tu peux voir. Et ça, c'est le regard qu'on a aujourd'hui, mais à l'époque, elle n'a jamais pris l'avion, elle ne parle pas anglais. C'est vrai, Et elle part en train de Brive-la-Gaillarde pour aller aux États-Unis. Elle n'a jamais eu peur de rien. Moi, je pense que de toute façon, en tant qu'enfant, j'ai pas du tout eu jamais l'impression qu'elle ait craint une aventure ou redouté. Bien au contraire, je pense que c'est quelque chose qui la booste de partir dans des territoires qu'elle ne connaît pas et où elle va pouvoir apprendre et puis être surprise surtout, je pense. Et vous le vivez comment au moment où ça se passe, ce départ de Brive-la-Gaillarde en train pour aller aux États-Unis ? Bah, c'est un peu un abandon quand même. Hein. Je veux dire, elle vit sa vie avant tout. Et puis, voilà, nous, il faut qu'on assume la nôtre assez tôt. Il fallait qu'on soit à la hauteur de nos vies. Et donc, quand vous dites abandon, ça veut dire qu'il y a de la tristesse ou de la colère à ce moment-là ? Non, ni colère ni tristesse. Plutôt une certaine idée qu'il faut, il faut se débrouiller. Il faut voilà, assurer, quoi. Et donc, il y a cet épisode assez extraordinaire qui est unique, effectivement, où le président de la République, donc le chef de l'État, veut absolument, et elle est quasiment poursuivie et harcelée. C'est vrai. Quand vous réalisez aussi ça, aujourd'hui ? Alors là, c'était très extraordinaire, effectivement. C'était assez irréel. Mais bon, je pense qu'elle a besoin de ça, de ce piment, de la non-connaissance d'une situation, de le déséquilibre que ça crée et qui permet d'être propulsé vraiment dans l'extraordinaire, quoi. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment un des traits de son caractère. Complètement. Exploratrice de la vie, en fait, tout en ayant des bases extrêmement solides, terriennes, simples. Voilà. C'est Daniel, on a l'impression de pouvoir vous définir aujourd'hui, compte tenu de l'histoire. C'est ça. Mais est-ce que, au fond, à un moment donné de votre vie, et là je crois que tout le monde peut s'identifier, vous êtes maman, 4 enfants, vous habitez dans la maison de votre mère, votre grand-mère, etc. Vous avez la sensation d'étouffer à un moment donné ? Il fallait gagner sa vie, c'était une première chose. Et puis bon, si la solution était d'avoir à partir, ben voilà, fallait y aller. Et effectivement, après, il y a l'aventure se nourrit l'effort et propulse dans autre chose, évidemment. Quand vous dites il fallait gagner sa vie, j'y allais, encore une fois. Vous habitez dans un pays de je sais pas combien de millions d'habitants, avec 36 000 communes, des boulots, il y aurait pu en avoir ici. C'est se dire je pars en Amérique pour régler vraiment, mes dettes. Eh bien, pas vraiment. En fait, toute ma vie et encore, je ne correspond pas. Je ne correspond pas. C'est pas que je veuille pas. Bon, après, je m'y suis fait une raison, je correspond pas. Bon, très bien. J'ai eu des moments de creux où ça m'a empoisonné. Mais vendeuse, attendez, bougez pas, j'aurais jamais gagné assez de sous. Bon, voilà, il faut y aller, quoi. Il faut aller chercher ce qu'on veut. Vous vous rappelez, dans ce que vous avez vécu, on va parler du film plus tard, mais de l'épisode réel de votre maman vous dit je vais travailler pour le président de la République. Je m'en souviens pas précisément. Je me souviens de l'idée. Tout à fait extraordinaire, oui. Et je sais que toi, ça t'impressionnait énormément. Il y a cette fraîcheur aussi dans sa personnalité. Il n'y a pas de cynisme. Je ne devrais pas dire ça devant toi. Tu m'as jamais tant dit. Je ne sais pas si j'ai un compliment. Attends, si je regarde bon, alors, bien. Écoute. C'est un compliment, ma chérie. Ça me fait votre mère. C'est un compliment, la fraîcheur. Voilà. Et je pense qu'il y a une forme de naïveté, ce qui lui permet d'aborder toutes ces choses-là en plein enthousiasme aussi, quoi, quand tu débarques effectivement à l'Élysée. Alors, je me disais aussi, elle n'aurait jamais pu travailler pour quelqu'un. C'est aussi pour ça, vendeuse, tu dis vendeuse, bon, je veux bien imaginer. Donc... Allergique à l'autorité. Oh, mais complètement, et puis une structure. C'est pour ça que... À l'Élysée, on est quand même et en Antarctique. Enfin bon, on est quand même dans des structures militaires avec un protocole, tout un tas de règles à respecter.
Ça a dû être un sacré challenge pour toi quand même, hein, je pense. Mais bon, ça s'est fait quand même. Et est-ce que vous vous rappelez et dans cet épisode, parce qu'on va parler effectivement de l'Antarctique, parce qu'on pouvait se dire, après l'Élysée, qu'est-ce qu'elle va pouvoir trouver d'émotions aussi extrêmes, mm-hmm. Elle a quand même trouvé. Oui, c'est vrai. Ça, c'est déjà quand même agréable. On aurait pu se contenter de ça. Non, mais absolument. Mais cet épisode de l'Élysée, vous vous rappelez de ce qu'elle vous raconte? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des choses que vous avez le droit de raconter à l'époque? Est-ce qu'on vous demande de signer un contrat de confidentialité? Non. Non, mais il y a une éthique de toute façon. Que je continue à respecter. Je peux donner mes émotions, mais je ne me suis jamais répandue sur l'intime des gens pour qui je travaillais, évidemment pas. Alors, on va regarder un extrait du film. Évidemment, vos petits-enfants vont me dire ce que ça leur a fait de découvrir quelqu'un qui joue le rôle de votre grand-mère avec le président de la République, qui là est joué par Jean d'Ormesson. C'est sa première expérience au cinéma, en plus. Oui. Et donc, y a une portée. C'est-à-dire qu'au fond, il y a le chef de l'État, le type qui est en ligne de mire des médias du pays et de toute la planète, et qui a des responsabilités très lourdes et qui va partager un moment d'une simplicité extrême. Mmh. Et au fond, c'est une métaphore de ce que vous avez vécu. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur le président? Tout va bien. Tout va bien. Madame Arvelet m'a appris que vous aviez reçu des truffes. Oui, vous êtes parfaitement informée. Vous voulez les voir? Ça ne vous ennuie pas? Ah non, pas du tout, pas du tout. J'imagine que ce sont les premières de la saison. Ah oui. Regardez ça. Quelle merveille. Château Rayas, 1969. Merci. Parfait. Alors, je vous pose la question. Est-ce que ce moment a vraiment existé? Il y a eu effectivement quelques moments d'abandon de cette nature, mais bon, ça fait aussi partie des choses qui sont des émotions qui sont incommunicables. Mais simplement parce que il faut conjuguer la simplicité et le fastueux en même temps. Alors, Lou, oui, tu as 14 ans, et donc je voulais savoir ce que tu avais ressenti quand tu avais vu le film qui raconte un épisode très particulier de la vie de ta grand-mère. Moi, j'étais fière et ça m'a intéressée aussi de savoir ce qui se passait avant que qu'on soit arrivé. Avant que vous soyez né. Ouais, voilà. C'est passé le truc avant que vous soyez né. Avant qu'on soit né. Et il y avait des choses émouvantes, par exemple? Oui, parce que Catherine Froid, elle a super bien repris les mimiques de ma grand-mère. C'est-à-dire? C'est-à-dire? À des moments dans le film, on a l'impression que c'est vraiment ma grand-mère qui joue. Et du coup, Mais quel genre de mimique? Des mimiques de visage, des tics de langage? Oui, de langage, de visage, de vestimentaire aussi. Tu confirmes? Qu'est-ce que tu as retrouvé de ta grand-mère dans l'interprétation de cette actrice? Je sais pas, mais par exemple, des fois, quand elle cuisine, grand-mère, il y a des mouvements de main qu'elle fait. Et là, elle les fait aussi exactement pareil dans le film. Bon. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ta mamie au cinéma? C'est quand même pas rien. J'étais fière aussi, mais... ça m'a impressionné aussi un peu. T'étais impressionné par ta grand-mère? Il y a de l'admiration? Oui. Et comment est-ce que Catherine Froid a fait pour... Il y a eu une rencontre. Comment ça s'est passé pour qu'il y ait justement ce mimétisme-là? Bon, c'est un peu difficile de parler pour elle, mais à sa place. Mais elle était intéressée par le scénario. Et puis, au moment de... Elle ne donnait pas sa réponse parce qu'elle me disait qu'elle n'arrivait pas à sortir. Elle m'a dit par la suite qu'elle n'arrivait pas à sortir. Elle ne comprenait pas cette personne. Elle pensait que c'était un délire. Enfin, selon le scénario, un délire de scénariste. C'est-à-dire qu'un personnage comme celui-là, qui était vous, elle pensait que ça ne pouvait pas exister. Qui était un peu partout, ça n'existait pas, quoi. La personne qui a écrit le scénario était fada, avait construit une... Ils ont dit, mais si, ça existe. Alors très bien, elle a dit, alors il faut que je la rencontre. Puis on s'est rencontrés et on s'est rencontrés vraiment. Et j'ai senti, mais déjà lors de notre première rencontre, on s'est très peu rencontrés avant qu'elle commence le film, mais je retiens que ce mot, elle me pompait. Dès les premiers jours du tournage, elle m'a dit,
je crois que j'ai bien pris la dimension de la femme, qui est une femme libre, mais qui est en même temps attachée à sa terre et à sa famille. La seule chose que je ne serais peut-être pas donnée, c'est toute la tendresse que je sens en vous. Et moi, je me sens... Enfin bon, je ne suis pas... Je ne crois pas qu'on me connaisse pour une, être un océan de tendresse. Mais en fait, à l'intérieur, je me sens toute tendre. Donc, quand Catherine m'a dit ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et vous, Julia, qu'est-ce que vous avez... Votre réaction, ça, c'est quoi? Ça l'a fait rigoler. Bon, ben voilà. C'est quoi qui vous fait rire? Vous ne connaissez pas cette histoire? Non, je ne savais pas, mais je comprends très bien. Parce que c'est vrai que j'ai vu, effectivement, Catherine Fro et maman ensemble. Et c'est vrai qu'elles s'entendent vraiment bien. Je pense que Catherine Fro, bon, qui est cette actrice que beaucoup de Français aiment beaucoup, parce qu'elle est très proche d'une réalité, en fait. Hein, et je pense que c'est là que vous vous êtes connectées, oui, toutes les deux. Sa loyauté. Entre autres. Voilà, elle est très sincère, elle est très... Quelqu'un qui a une éthique aussi. Complètement, elle choisit des rôles très précis. Donc c'est aussi pour ça que les gens l'estiment, je pense. Et un être qui semble, moi je le connais à peine, mais qui semble être pur, et on a la sensation aussi, vous parliez de naïveté tout à l'heure. Complètement. Donc j'ai voulu parler comme ça de Daniel, c'est comme ça que je la vois. C'est dans un milieu très frelaté, qui est le monde de la politique, où les gens sont devenus dingues. Et donc c'est assez troublant d'imaginer que vous allez vous retrouver à devoir réconforter un chef d'État. Parce qu'au fond, absolument, c'est ça, les recettes de grand-mère, c'est pour ça réconforter. Je voudrais savoir pourquoi elle a tellement rigolé. Oui. Parce que c'est là quand même que se jouent les choses. Et Catherine Fro, qui est dans ce milieu du cinéma aussi, qui, bon, il y a beaucoup de faux-semblants, et elle est, je pense qu'elle fait partie des personnes authentiques de ce métier. C'est pour ça que c'était un très bon choix, en fait, pour te... Ah oui, c'était un super choix. Je vois pas qui aurait pu la jouer aussi bien, quoi, aussi proche. Et quand vous voyez cet épisode que vous n'aviez pas vécu, parce que vous étiez loin de ça, vous avez vu la portée de ce qu'elle avait vécu, la dimension, vous avez compris ce qu'il y avait d'universel dans cette histoire? Oui, complètement, bien sûr. Mais ça, ça fait longtemps que j'y pense. Et même enfant, même s'il n'y a pas de recul, je pense que cette notion qu'il y a une personne quand même qui a une façon de regarder les choses avec une liberté un peu hors du commun tout de même, ça fait partie de notre éducation, je dirais. Qu'est-ce qu'elle a essayé de vous transmettre? Consciemment et inconsciemment. Mais ça, c'est très important pour moi, déjà, cet aspect-là. D'abord, la place des femmes, parce que pour le coup... La place des femmes, ça, c'est certain. Mais pas en ayant à affirmer une place de femme. Pas de discours, c'est des actes. Oui, c'est pas une lutte, en fait. Enfin, peut-être dans ton ressenti par rapport à ta... Mais, je suis d'accord avec toi. Je crois pas. Quand vous pensez à la liberté, vous pensez à quoi? Quand vous dites que c'est quelqu'un qui est libre? Ben, libre de faire tout ce qu'elle a eu envie de faire. Elle a toujours fait tout ce qu'elle avait envie de faire. Ou on va dire, ça se fait pas comme ça. Non, ça, c'est vraiment pas, c'est pas possible. Ça rentre même pas dans son cadre, quoi. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas les choses comme elles sont. Voilà. Surtout quand on vous dit, c'est comme ça. Ça, c'est une phrase que vous pouvez pas enlever. Ah ben non, ça, c'est insupportable. Ah non, ça, c'est le moteur. Ça. D'abord, ça a été, les femmes ne font pas ça. Et maintenant, c'est les femmes de votre âge ne font pas ça. Voilà, là, oui, ça, je trouve ça absolument décisif. Alors, moi, dans le récit, je me suis mis à la place de la personne qui a reçu votre maman quand elle a postulé pour partir en Antarctique et qui lui dit « Ah mais non, on ne prend pas des femmes et encore moins de 60 ans. » Voilà. Et donc là, il y a deux obstacles infranchissables absolument pour beaucoup d'entre nous. Et là, ce n'est pas infranchissable pour elle. C'est ça. Et puis, il y a aussi ce côté indomptable. Elle postule pour être dans une structure où il n'y a que des règles. Pour moi, c'est même carrément... C'est suicidaire. C'est irréaliste, totalement. Il me semble me souvenir que tu as eu affaire à 2-3 psychologues pour, qui étaient censés, après l'avoir rencontrée, dire si oui ou non elle était apte à remplir cette mission, en fait. Ils t'ont vu plusieurs fois, je me rappelle que c'était... Voilà. Ils ne revenaient pas, schématiquement, c'est ça. Ils n'arrivaient surtout pas à conclure pas, mais... oui ou non, vous voyez. Ils n'arrivaient pas à me coller dans le cadre. Il y avait un mystère, le mystère d'Aniel. Mais ce n'était pas non non plus. Elle pourrait le faire, mais bon, ils ne pouvaient pas l'affirmer tout de suite quand même. Hein. Bon, et quand vous êtes avec des amis, vous, précisément, Julia, et on va dire des amis ou des gens pas très proches, et qui parlent de leurs parents, et quand dans une conversation vous dites « Oui, ma mère est partie dans l'Antarctique et a cuisiné pour François Mitterrand. » Je le dis jamais comme ça. Ça fait son effet quand même. Ça fait son effet, c'est clair, mais je le dis à bon escient quand ça me sert. Sinon, je le dis pas. Vous voyez? Mais pourquoi? Les réactions, c'est quoi en général? Beaucoup d'intérêt, parce que je pense qu'elle a une personnalité extrêmement attachante.
Et le film, c'est une comédie très sympathique, ce film. Il a eu beaucoup de succès en France et au Japon, puisqu'il a fait plus d'entrées qu'Intouchables au Japon. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Mais bon, parce qu'il est vraiment très sympa, ce film, à regarder. Et le film, vous alliez dire ? Et le film a amplifié ça. Il y a vraiment un capital de sympathie pour cette personne qui, on sait que c'est une histoire vraie, on sent qu'effectivement c'était pas simple. Enfin, ça touche plein d'aspects qui parlent à plein de gens, en fait. C'est la réalité. Ça a été quelque chose. Oui. C'est-à-dire, Daniel ? Ben, c'est-à-dire qu'une fois pour toutes, voilà, ça fait le point sur les choses. Voilà, c'est voilà. Ça a été consigné. Maintenant, ça fait. C'est entendu, on part de là. Mais oui, c'est ça qui est drôle d'ailleurs, c'est que vous avez écrit un livre qui était du Périgord à l'Élysée, et puis il y a celui qui dit. Qui raconte la suite de l'Élysée à l'Antarctique, mm-hmm. la suite de votre histoire. Et je voudrais savoir comment ça se passe, parce qu'il paraît qu'un jour, tu étais un peu surprise, parce que sur le marché de Brive-la-Gaillarde, le président de la République est venu saluer ta grand-mère. François Hollande. On était tous les trois, c'est vrai, j'ai oublié ça. Un festival, un concert à Brive. Et donc, on était dans le public. Et il est venu voir ma grand-mère en personne pour la saluer. Et donc, on était avec elle et il nous a dit bonjour. Ça t'a fait bizarre ? Ouais, c'était bizarre. Tu te rappelles ? Parce que toi, tu savais que c'était le président et il était accompagné, c'est ça ou... Oui, il a embrassé Lou et Félix s'est caché. Il était tellement intimidé, il s'est un peu caché derrière moi. Qu'est-ce que la vie de cette personne qui est là, il se trouve que c'est ta grand-mère, mais au fond, elle peut inspirer plein d'autres gens, t'inspire pour ta propre existence? Qu'est-ce qu'elle t'a appris de la vie, finalement? Elle dit que sa maman, parce que moi, ça m'a marqué, ça, lui disait « la peur est mauvaise conseillère ». C'est-à-dire ne pas... avoir peur. C'est quelque chose que tu as déjà retenu, tu n'as que 14 ans. La peur, oui. Elle m'a appris depuis que je suis toute petite qu'il ne faut pas se mettre des barrières, faire ce qu'on a envie dans la mesure du possible. T'as dit, ce ne sont pas que des mots, elle l'a prouvé, donc elle a une légitimité pour le dire. Oui, voilà. Ce ne sont pas que des conseils. Et comment on fait? On dit que c'est difficile de grandir à l'ombre d'un chêne. Comment on fait pour faire sa propre vie? Oui, bien sûr, on peut dire ça. C'est difficile de grandir à l'ombre d'un chêne, mais on peut aussi regarder et y puiser des choses positives. En tout cas, elle vous a inspiré, puisque vous avez, vous aussi, été dans la cuisine pendant 10 ans. Absolument. C'est quelque chose que j'ai fait de 25 à 35 ans. Donc vous avez eu un restaurant. Voilà. Et ça m'a passionnée. Et je pense qu'on est très marqués dans notre famille par la cuisine. Il y a un matriarcat et une transmission de la cuisine de femme à femme. Et donc, tout un temps, effectivement, ça m'a paru évident de faire ce métier-là. Et puis, je l'ai fait avec grand, grand plaisir. Et aujourd'hui, je ne le fais plus professionnellement. Mais la cuisine et bien manger, c'est essentiel. Ça fait complètement partie de mon fonctionnement. J'ai toujours des grandes tablées à la maison. Et voilà. Ça. C'est votre monde aussi. Mmh. Et je veux savoir, les petits-enfants, donc, est-ce que vous, elle vous apprend déjà à cuisiner? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire? Moi, les recettes, j'en ai pas beaucoup. Hein. Toi, tu sais faire quoi? Les œufs à la truffe, déjà. Mmh. Les œufs à la truffe, nous y revoilà. Tu sais faire des gnocchis. Les gnocchis, l'île flottante. Donc, tu as des cours de cuisine privés? C'est arrivé quand j'étais plus petite, avec mes cousins. On allait passer une semaine chez elle et chaque jour elle nous apprenait des recettes en fait. Et à la fin, le dimanche soir, on a fait un repas avec toutes mes tatas, mes tontons et mes parents. Et où en fait, le dîner, c'est nous qui l'avions fait avec les recettes qu'on avait apprises dans la semaine. Bon, ça c'est quelque chose qu'on garde pour toujours. Oui. Et toi Félix, on m'a dit que tu avais les mêmes goûts que le président François Mitterrand. Pour les tartines à la truffe, c'est ça? Ça se mange à quelle heure de la journée, ça? N'importe quand, moi. Il faut en manger tout le temps, ça m'irait. C'est vrai? Le virus de la truffe est bien en place. Bon, c'est bien. C'est la petite histoire dans la grande histoire, parce que vous me disiez que la truffe, finalement, c'est ce qui avait permis à ces familles du Périgord de sortir de la pauvreté. Mm. Ah oui, certainement. À la Borderie, certainement. Mm-hmm. Bon, il paraît que tu as une passion de vivre ça, c'est que tu pars en voyage seule avec ta grand-mère. Vous partez où? À New York. Là où elle est partie toute seule, alors qu'elle n'avait jamais pris l'avion. Maintenant, il va falloir y aller vraiment. Hein. Pourquoi t'es impatient? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des grands voyages comme ça, et du coup, j'ai hâte. Là, vous serez en tête à tête. Mm. Tu l'auras que pour toi. Aussi. Et là, pour l'instant, ta grand-mère, tu la partages avec le monde entier. Oui.
Bon, merci en tout cas de m'avoir présenté des gens qui étaient importants pour vous. Je voudrais vous présenter à mon tour, à tous, des gens qui sont importants pour moi. En fait, ce sont des amis dénicheurs. Alors eux, ils ne trouvent pas des truffes, mais ils trouvent des idées formidables. Dans cette société dont on dit qu'elle ne va pas bien, bah, eux, ils s'intéressent à toutes les solutions, et notamment cette histoire de cuisine. On sait qu'on peut faire des choses très solidaires et sauver des vies, finalement, avec la cuisine. Ils vont vous le raconter. Vous allez me dire si vous comprenez pourquoi je les adore. Bonjour. Salut, Luc, bonjour. Anaïs, bonjour. Et Brigitte. Je vous laisse vous installer, les camarades. Bonjour. Et je vous les présente tout de suite. Alors, Luc, du Sud-Ouest, il est le meilleur cuisinier de la bande, hein, je peux vous le dire. Ça, c'est pas dur. Ça, il m'énerve parce que quand il fait de la cuisine, c'est super chose. Il sait quoi ? Il fait « Oh, c'est rien ». Ça, ça m'énerve. C'est pas bon. Donc, quelqu'un qui fait un truc génial et qui vous dit « c'est rien », c'est une forme d'arrogance, on est d'accord. D'ailleurs, il paraît qu'il cuisine beaucoup à la maison. Il a été homme au foyer, par exemple, vous qui êtes féministe, dans les actes. Pendant 8 ans, il a suivi sa femme. Mm-hmm. Et je dis ça parce que ça fait tout juste son effet sur la jeune fille. Ça marche très bien. Et voilà, il est aussi journaliste. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Moi, c'est vrai qu'en matière de cuisine, je suis obsédé par le gaspillage. Je déteste qu'on jette des choses qu'on a achetées. En France, le gaspillage, il faut comprendre que, ne serait-ce que pour la viande, chaque année, 1400 tonnes de viande sont jetées en France à la poubelle. 1400 tonnes. Ça fait 1 400 000 kilos. D'accord ? C'est énorme. D'accord ? Alors, pour lutter contre ce gaspillage, je vais vous amener tout à l'heure voir une association grenobloise qui mitonne des petits plats. Ils font des merveilles. Vous allez voir. Mmh. Est-ce que ça vous donne envie d'y aller ou pas ? À Grenoble ? Oui. C'est intéressant. J'ai un choc avec les 1400 tonnes. Oui. Ah oui. Mais la nourriture de la cantine, ce qu'on achète et qu'on n'a pas consommé, les invendus des supermarchés. J'imagine. 1400 tonnes. Donc, une idée pour lutter contre le gaspillage. Mmh. Brigitte, qui est du Sud-Ouest aussi. Oui. Qui est dans ma vie depuis 16 ans et demi. Et alors, les recettes de grand-mère, je sais que tu aimes bien ça. D'abord, tu adores les grand-mères. Ah, moi, j'adore les grand-mères. Mmh. Et particulièrement la mienne, qui, quand j'étais petite, vivait à la maison. Et ma grand-mère faisait la cuisine. Et personne n'aurait pu l'éloigner des fourneaux. Hein. On s'approchait, non, c'est moi qui fais la cuisine. Jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, on a tous la nostalgie de la cuisine de nos grand-mères. Eh bien, j'ai trouvé une initiative qui met en avant nos petites grand-mères et leur cuisine. Voilà, leurs recettes. J'en dis pas plus. Initiative, on en parle dans un instant, ça devrait vous plaire. Et puis Anaïs, c'est une Québécoise qui n'a pas d'accent. Je sais pas ce qu'elle a fait. Et il paraît des fois. Oui, c'est un petit peu là. Et bon, aujourd'hui, elle aime cuisiner. Il paraît qu'elle n'aimait pas. Tu n'aimais que les carottes quand tu étais petite. Exactement. Ça elle était pénible, elle nous a raconté. C'était une horreur. Oui. Elle mangeait que ça, hein, que des carottes. Et aujourd'hui, tu nous. Parce que, j'ai changé. Anaïs est documentariste. C'est elle qui tient la caméra et j'adore quand elle porte son regard sur des gens, sur des initiatives. Et aujourd'hui, tu nous parlais de quoi ? Donc, moi, je vais vous parler aussi de cuisine et donc d'une initiative qui s'appelle Des étoiles et des femmes. C'est une initiative qui est partie de deux constats. Le premier, c'est que dans les quartiers défavorisés de Marseille, le chômage explose, donc entre 19 et 27% contre une moyenne nationale de 9%. Et les personnes qui sont concernées, pour la moitié, ce sont des femmes. Et l'autre constat, c'est que dans le secteur de la gastronomie, on peine à embaucher et surtout, on cherche à féminiser la profession parce que, effectivement, dans les cuisines, les chefs ou les chefs de brigade sont en majorité des hommes. D'où l'idée de former des femmes issues des quartiers prioritaires de Marseille, éloignées de l'emploi, au métier de la cuisine. Donc ces femmes, elles peuvent suivre un CAP cuisine en alternance au lycée hôtelier de Marseille pendant 9 mois. Et cette initiative, elle est parrainée par le chef étoilé Alain Ducasse et elle est portée... ben voilà, c'est lui. On connaît tous, c'est trop efficace. Oui. Et elle est portée par une entreprise d'insertion qui s'appelle la Table de Cana. Et donc moi, j'ai suivi l'une des bénéficiaires de cette formation qui s'appelle Imane et qui cumulait effectivement les difficultés. Donc une femme éloignée de l'emploi, sans diplôme, qui élève seule ses 2 enfants. Et donc depuis qu'elle a intégré cette formation, vous allez voir, elle est totalement épanouie et surtout, ça a changé le cours de sa vie. Voilà. Bah, ça te donne envie ou pas ? Vous voulez voir le reportage ? Ah oui, absolument. Moi, je suis bouche bée, j'attends. Alors, on regarde le reportage et j'attends votre réaction juste après. Je viens de Maroc et ça fait depuis 2002 que je suis en France.
J'ai deux enfants, un de 12 ans et un de 10 ans. Ils sont seuls avec moi, en fait, parce que mon mari il est décédé. Quand je suis arrivée en France, je ne parle pas français. J'étais toujours en train de chercher pour trouver quelque chose qui me plaît. Et en fait, c'est mon domaine, c'est la cuisine. Et je pose mon biscuit. Comme ça. Et donc, on va avoir biscuit, crème au niveau du visuel. D'accord ? De façon à avoir une jolie... Charlotte. Pour mettre sur la table. OK ? Oui, chef. J'ai entendu parler des étoiles et des femmes au centre social où je suis adhérente avec ma coordinatrice. Et elle m'a dit que c'est un CAP qui dure un an. Et après, on a un diplôme dans les mains. Chef, comme ça, ou je rajoute encore jusqu'à... Voilà. Encore un tout petit peu. Vous voyez, il faut que ça tienne juste dans les... Le bec. Voilà, hein, juste le bec. Allez. Prenez bien là, ici. Ouais. Là, vous fouettez comme ça. Là, c'est bien. Alors, là, vous êtes bien. J'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans. Et j'ai jamais imaginé que je veux un jour reprendre mes études. Et quand j'ai appris qu'ils m'ont pris, j'ai commencé à pleurer. Je m'attendais pas, en fait. Je m'attendais pas qu'ils vont me prendre. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais, parce que c'est la chance, ça vient qu'une fois, pas deux. Au fond de chacun de vos petits gâteaux, vous pouvez mettre un petit biscuit comme ça. Ça vous permettra au moins d'avoir la mousse qui ne colle pas au fond, d'accord ? Oui, chef. Le début de la formation, j'avais peur parce que je me suis dit est-ce que je vais être à la hauteur ? Et maintenant, vraiment, j'ai plus la peur que j'avais avant. Ah bah parfait, j'ai même plus besoin de vous apprendre la cuisine. Alors, approchez tous, voir à la table d'imam, s'il vous plaît. Vous prenez vos filets d'anchois, vous enroulez une olive verte dans un beau filet d'anchois. Je vous dis qu'elle va prendre ma place. J'ai appris à savoir qu'est-ce que c'est la gastronomie française. Tellement j'adore faire la cuisine, il y a tout qui me plaît. Moi, je regarde qu'est-ce que j'ai à faire, d'accord? D'accord. Après, je fais une petite révision avec toi. Quand je rentre à la maison, je fais les devoirs comme mes enfants, pareil. Et pour la crème, le lait entier, crème fleurette, je les prépare, qu'est-ce que j'ai après au lycée hôtelier. Alors, tu veux un petit morceau de cake, de cheesecake ? Oui, maman. J'ai appris ça au lycée. J'aime bien tous tes gâteaux. Ah, merci, mon bébé. J'ai une super maman. Merci. Mon rêve... J'aimerais bien ouvrir mon propre restaurant et je vous inviterai pour manger chez moi un jour. Les réactions spontanées. Elle est belle comme tout, cette femme. Elle est belle comme tout. Et puis, il y a plus qu'éventuellement avoir un engagement dans un restaurant ou ouvrir son propre restaurant. Elle est complètement heureuse d'apprendre. Il y a tout, quoi. Ses enfants sont fiers d'elle. Ils participent complètement à cette aventure. Elle fait les mêmes devoirs que ses enfants. Et puis, elle est là et elle se régale. Elle fait des belles choses. Tout à coup, sa vie prend un sens. C'est ça aussi. Et elle a pris des risques. Elle est veuve, elle a quitté le Maroc, si j'ai bien compris. Et elle a ses deux enfants à élever. C'est pas commode. Hein. Bon, très bien. Et je trouve que, voilà, il faudrait... Je crois que la cuisine peut faire énormément pour ces gens qui ont besoin ou qui sont obligés de se déraciner. Pourquoi ? Parce que non seulement ça peut donner une ouverture, mais pas seulement. Ça nourrit. Universel. Faire la cuisine en même temps, ça nourrit beaucoup. Ça nourrit l'âme. C'est plus que le travail matériel. La cuisine, c'est pas comme ça. C'est un engagement personnel. Et évidemment qu'on progresse. Et après, bon, il peut y avoir une activité sociale qui se grève dessus. C'est même mieux, dans son cas, certainement. Mais bon, je trouve que c'est beaucoup plus que ça. Elle grandit dans tous les domaines. Mm-hmm.
et aux yeux de ses enfants aussi. Lui, j'ai l'enfant qui dit t'es une super maman en se mangeant son cheesecake. J'aime bien tes gâteaux. C'est super, quoi, c'est super. Julia, votre sensation? Bah oui, voilà, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est vraiment, c'est génial de voir comment au début elle est intimidée par la formation et puis ensuite, il y a cette passion pour la cuisine française aussi chez elle. Enfin, parce que bon, la cuisine marocaine est très riche. Mais c'est super ce mélange de cultures comme ça, c'est extra. Mais le fait de cuisiner, parce que pour le coup, voilà, pendant 10 ans, vous avez cuisiné aussi, vous avez, votre maman vous a fait des petits gâteaux aussi. Il y a plus que de la nourriture, en fait. Non, mais complètement, ça touche... oui, c'est nourrir, et puis cuisiner, partager un repas, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Il n'y a personne qui est indifférent à ça. On a tous besoin de manger. On a tous besoin de manger, déjà. Mais et de partager. Et je trouve que de la part d'Alain Ducasse, ouais. comme d'autres qui font des choses aussi, mais je trouve que c'est bien de mettre du temps, une réputation... vraisemblablement de l'argent, en tous les cas son nom. Je me souviens, je crois que c'est à Thierry Marx que j'ai demandé tout à fait au début, mais comment t'as fait pour financer tout ça? J'ai fait aux producteurs une proposition qu'ils n'ont pas pu refuser. Bon, très bien. Mais je trouve qu'il fédère. Il fédère des gens qui donnent ou qui donnent à bas prix ou enfin comme ça pour quelque chose qui fait plus que nourrir, c'est nourrir dans tous les sens du terme, comme dit Julia, quoi, c'est nourrir et l'âme, et le corps, et la forme de la société, la famille, enfin, tout est là. Oui, puis il y a un partage. Il y a vraiment chose qui peut... Voilà, qui touche tout le monde et qui se partage. Et toi, Anaïs, qu'est-ce qui t'a plu pendant ton séjour là-bas? En fait, moi, ce qui m'a marqué, comme vous l'avez souligné, c'est cette envie d'apprendre de ces femmes, cette envie de réussir. Et aussi, elles sont extrêmement valorisées par le fait d'avoir été sélectionnées, parce qu'à la base... Il y a 80 femmes qui se sont présentées et seulement 12 ont été sélectionnées. Ah oui. Donc déjà, ça, donc c'est on est choisi. Ouais. Et ensuite, ce qui m'a marqué, c'est que Imane, en fait, elle habite à 200 mètres de ce lycée hôtelier. Et jamais il ne lui était venu l'idée de s'inscrire et d'intégrer cette école. Pourquoi? Ben voilà, parce que elle a pas de diplôme. L'école, c'était derrière elle, quoi. Oui, elle s'occupe de ses enfants, elle doit payer ses factures, et donc pour elle, retourner sur les bancs de l'école, c'était inenvisageable. Mmh. Et donc cette initiative, elle permet à des gens de s'épanouir enfin, et ça, je trouve ça vraiment super. Et alors, justement, une fois qu'elles ont appris à cuisiner, est-ce qu'elles trouvent du travail? Oui, en fait, le bilan de cette initiative, il est très positif. Donc, si on parle de la promotion de l'année dernière, sur les 12 participantes, 8 ont été engagées par le restaurant dans lequel elles ont fait leur stage. 3 ont intégré un autre programme pour créer leur propre entreprise. Et une a échoué quelques épreuves et donc doit les repasser. Mais les résultats sont excellents. Mm-hmm. Ça vous étonne pas? Daniel, j'ai vu que vous étiez. Non, ça ne m'étonne pas, parce que, bon, c'est aussi ces femmes, celles-ci en tous les cas, il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Vous sentez dans le tempérament. Obligatoirement, elle a chassé la peur, comme elle dit, j'ai un peu peur, mais même bien, on a tous peur. Mais vous savez, quand on entre en cuisine, on a une appréhension. Oui, bien sûr. Entrer en cuisine, c'est se mettre en danger. Émotionnellement, je parle, et physiquement, et tout ça, mais bon, c'est se mettre en danger, parce que, voilà, il y a quelque chose, donc... Moi, je suis très, très sensible à ça. Il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives comme celle-là. Voilà, donc on met celle-là dans la lumière pour inspirer les autres. Merci, merci Anaïs. Luc, tu nous as parlé du gaspillage tout à l'heure et donc d'une initiative qui est solidaire aussi. Oui, oui, parce que tu nous parlais des étoiles et des femmes. Moi, je vais vous parler des étoiles solidaires à Grenoble. Vous avez entendu parler déjà? Pas du tout. Pas du tout. À Grenoble, dans l'agglomération grenobloise, tous les jours, 200 kilos de viande sont gaspillés. D'accord, date limite de consommation. Alors, depuis 30 ans, les bénévoles de la banque alimentaire, on connaît tous la banque alimentaire, récupèrent cette fameuse viande emballée dans des caissettes que les supermarchés jettent ou se délestent dans la mesure où la date limite de consommation va être demain, voire après-demain. Donc, les bénévoles récupèrent cette viande, comme ça, et après, elle passe dans un hangar, comme ça, et on doit la trier. D'accord. Et après, la banque alimentaire la redonne à des associations telles que la Croix-Rouge, telles que le Fournil, ou tout un tas de petites associations qui servent à nourrir les plus démunis. Mais il y avait un problème. C'est que, parmi tous ces stocks de viande, celle qui va périmer le jour même, on n'a pas le temps de pouvoir la livrer à ces associations, et donc il y avait encore du gaspillage. Alors,
une bonne idée est arrivée de la banque alimentaire qui s'appelle donc les 3 étoiles solidaires. La bonne initiative, c'était quoi? C'était de se dire, eh bien, au lieu de donner cette viande directement, on va la cuisiner. À partir du moment où on peut la cuisiner, eh bien, on va pouvoir la faire refroidir et la conserver en tant que plat cuisiné pendant 5 jours. Vous êtes d'accord avec moi que... Bien sûr. Parce que j'observe le bras de Daniel et quand c'est ça, je sais qu'elle pense quelque elle chose. Elle acquiesce. J'approuve. D'accord. Donc, si elle désapprouve, c'est... Rideau. Un autre mouvement. De... Et donc, Christian Chédru, le directeur de la Banque alimentaire de l'Isère, s'est dit, on va valoriser cette viande qu'on jetait avant. Donc, on va la cuisiner, on va la mitonner, on va faire des petits plats de famille, de maison, quoi, tout simplement. Alors, c'est tout un bazar à organiser. Hein. C'est une vraie ruche. Parce qu'il a fallu avoir un chef qui s'occupe de ça. Ils ont travaillé avec 35 bénévoles qu'ils ont dû former. Et ils travaillent aussi avec 4 écoles hôtelières de la commune. Bien sûr. Donc ça fait travailler des jeunes. Et voilà. C'est quand même une belle idée. Et donc, résultat des courses, aujourd'hui, les plats sont cuisinés. Les plats sont cuisinés. Ils ont réussi à aménager dans un collège de la région. Alors, il a fallu le financer. Le département a donné 120 000 euros, ce qui est pas mal pour acheter du matériel. Mais aujourd'hui, chaque jour, sortent de ces cuisines 500 repas. 500 repas. Alors, vous voyez, donc, c'est de la viande, mais bien sûr, c'est aussi des fruits et des légumes qui vont être revalorisés, n'est-ce pas? Ils n'étaient plus bons à la vente, ces légumes. Mmh. Voilà. Et alors, donc, toutes ces personnes sont formées. On va mitonner. Alors, leur recette, le poulet chasseur, le lapin aux champignons, enfin, tout un tas de petites recettes simples de nos grands-mères, évidemment. Voilà. Et après, c'est conditionné comme ça dans des barquettes. Et ils commercialisent? Et ils ne commercialisent pas, ils le donnent. Ils le donnent aux associations qui vont pouvoir les donner aux plus pauvres. C'est magnifique. C'est génial. Plus pauvres. Franchement. Ça existe seulement depuis octobre 2015. Ils ont donné déjà 100 000 repas. Vous imaginez, en un an. 100 000 repas. Quelle merveille. Mais qui finance, je ne comprends pas. Ça, c'est quelque chose. Ils récupèrent des denrées qui allaient être jetées. Oui. La matière première. Elles ne sont pas avariées. C'est important, c'est que les commerçants, et la plupart c'est des employés dates, hein. sont bénévoles. Bien sûr. Tous les gens sont bénévoles. Il n'y a que 5 salariés dans la banque. Voilà, mais il y a 5 salariés. Il y a 5 salariés. Et après, il y a 35 bénévoles qu'on a formés, les élèves de l'école, des 4 écoles hôtelières du coin. Et voilà, et la matière première, ils ne la payent pas. Donc, il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Et on se demande à chaque fois pourquoi ça n'a pas été fait avant. Et bien, rien que sur un an, on a évité à Grenoble de jeter 16 tonnes de viande. Rien que pour la viande, si je reviens. Et pour servir combien de repas, vous avez dit? 100 000 repas depuis 100 000 repas. Rien des gens qui ont besoin. Depuis à peine un an. Puis les gens qui, voilà. Des gens qui ont besoin, oui. Qu'on leur donne. Bien sûr. C'est vraiment extra. Bien sûr. Donc extra, magnifique, j'ai entendu. Non, ça c'est super. Génial. Non, mais on les félicite vraiment et un exemple à suivre, évidemment. Bien sûr, évidemment. Mais même à notre échelle, au-delà d'une association comme ça, on peut, nous tous, à la maison, faire la même chose. Moi, ce week-end, je suis allé dans mon petit supermarché, ils allaient jeter des choses le lendemain. Et donc, ils ont un rayon spécial, souvent, où il y a écrit promotion sur les viandes, sur des choses. J'ai acheté un filet mignon de porc d'un kilo à 2,80 €. C'est pas cher. Tu nous as fait des barquettes? Non, je n'ai pas fait des barquettes. Alors, j'avais des prunes. J'avais ce qui me restait dans le frigo. J'avais des pruneaux d'Agen, j'avais des carottes et des champignons. Mais j'ai fait une espèce de tagine avec de la semoule. Et on a eu à manger pour deux. Mais on a mangé pour 5 € à 4. Mais il paraît que ta femme, ça l'énerve. Oui, parce qu'elle aime. Moi, je suis plutôt multigoût parce que ça me prend la tête de jeter. Parce que comme tu lutte contre le gaspillage, du coup tu mélanges tout ce que tu as. Ah, je mélange tout. Ça donne tout. Des goûts un peu spéciaux. Oui, c'est multigoût. D'accord. Hein, c'est multigoût. C'est pas d'accord. Mais moi je jette pas. Non, le multigoût, le mot est assez joli. Ah, mais ça, venant de vous, ça me fait très plaisir. Est-ce que c'est bon? Mais il paraît que ta grand-mère. Non, c'est bon. C'est bon. ta grand-mère faisait du multigoût? Non, ma grand-mère, non. Non, mais il ne faut pas tout mettre à la fois. Mais les choses, il faut empiler chimiquement, si j'ose dire, les arômes et les goûts. Et si j'ai mis le filet mignon avec... Une question d'échange, il faut aller par progression. C'est une musique aussi en même temps. Filet mignon et un chemise, carottes et champignons, ça vous va? Moi, c'est à peu près... Quel est l'ingrédient que vous n'auriez pas mis? Absolument. Qu'est-ce que vous n'auriez pas mis? Ah non, mais moi, je ne mets rien, c'est vous qui mettez. Je goûte. Elle ne veut pas se prononcer. Moi, je goûte et j'ai dit OK, goûtons. Ça me fait rire parce que moi, je ne sais pas bien cuisiner. Donc, effectivement, je ne suis jamais la recette. Mes proches, ça les angoisse. Mais je suis la recette. J'ai toujours peur que ça soit fade. Donc, je rajoute toujours des trucs. C'est bon ou pas? Non, les gens sont polis. Faut jamais suivre les recettes. C'est pas fait pour être suivi, les recettes. Ah. De toute façon, quand je demande une recette à ma mère, elle fait comme vous m'avez expliqué tout à l'heure. Elle dit elle ne sait pas. En fait, ma grand-mère disait au son du nez.
Au jamais on savait au son du nez. Ça veut dire au son du nez. Ben, oui, voilà. C'est au pif, quoi. À bisto des nez. À bisto des nas. À bisto des nas. À bisto l'a vu, des nas. À vu de nez. Pas mal. À vu de Toulouse. Oui, à bisto des nas. En tout cas, pour le coup, vous arrivez, vous, à transmettre des recettes. Hein, parce que ça, c'est magnifique. Dans ce livre, quand même, que vous appelez Ma cuisine de l'Élysée à l'Antarctique, c'est vos aventures. Mais il y a aussi des recettes. Alors, c'est des recettes de grand-mère ou des recettes. Non, c'était principalement ce sont des recettes d'Antarctique. Où on avait absolument tout, plus les merveilleux produits réunionnais. Et puis surtout, un aide en cuisine qui était réunionnais, vous imaginez. Et bon cuisinier. Un peu de chaleur en Antarctique, quand même. Ben voilà. Tout le monde était très content. Tout le monde a beaucoup apprécié. Et moi, j'ai appris énormément de choses sur la cuisine réunionnaise, c'est vrai. Bon, moi, je vais essayer de suivre à la lettre ces recettes. Et je vous envoie un petit message et je vous dis si les gens se sont régalés. D'accord. Je n'en sors pas. Cette fois, je n'en sors pas. Tu nous invites, hein. Oui, promis. D'abord, je fais des tests sur des gens. Vraiment, qui sont très indulgents, parce que vous n'êtes pas indulgent. Oh, je suis adorable, mais j'ai tout. Non, mais depuis 16 ans et demi, elle n'est pas indulgente. Elle est encore là, regardez. C'est pas vrai. Elle ne me laisse rien passer. C'est bon. Pas vrai. Ça, c'est de l'amour, ça. Oui, c'est ça, l'amour. Brigitte, ouais. Rappelle-moi de quoi on va parler. Alors, moi, je vais vous parler de deux petits jeunes qui s'appellent, voilà, Jean et Arthur, deux amis qui, en 2014, se sont dit... Pourquoi ne pas récupérer les recettes de nos grands-mères pour préparer des petits plats? Alors, il y avait une idée derrière. Hein. Ils se sont rendus compte que depuis quelques années, là, depuis 6 ans, il y a plus de 22% de personnes de plus de 50 ans qui sont au chômage. Ah ouais. Ça augmente tout le temps. Et donc, il s'est dit, on va récupérer les recettes de nos grands-mères pour pas qu'on les perde, et aussi faire travailler les personnes qui ont plus de 50 ans. Alors, ils ont eu cette idée et ils ont appelé ça « Nos grands-mères ont du talent ». Voilà, alors voilà, ça c'est des fautes. Leurs petites grand-mères... Caricaturées. Oui. Voilà. Ils ont eu des prix, je veux dire, ils ont eu 4 prix pour pouvoir mettre leur projet en action. Ça se passe ici, à Paris, pour le moment, en banlieue parisienne d'abord. Ils ont fait des tests, parce qu'ils ne sont pas idiots, mes petits copains. Et ils ont ouvert dans les gares, parce qu'ils se sont rendus compte qu'auprès des gares de banlieue parisienne, il n'y a pas souvent de commerce. Et donc, quand on rentre de son boulot le soir et qu'on est un peu crevé, qu'on n'a rien chez soi... On va où ? Au fast-food. Alors, où on va au fast-food. Et donc, ils ont ouvert des petits stands. Alors, ils ont commencé par 2 stands, à Clamart, à Colombes et à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, il y en a 3. Mmh. Et ils ont commencé comme ça. Quand ils ont vu que ça marchait, ils se sont dit, on va continuer. Alors, ils récoltent des recettes de grand-mère, de plein de grand-mère. Ils les font étudier par un ancien cuisinier qui s'appelle Denis, qui a 64 ans. Voilà Denis. Il a une bonne tête, hein, Denis, je trouve. C'est la Charlotte, ça. Ça va, tout le monde. Charlotte. Je trouve mignon. Ça vous a mis un petit peu. C'est saignant. On a compris comment c'est dur. Brigitte, on met une Charlotte. Oui, voilà. Et Denis, il a donc 64 ans. C'est un ancien chef cuisinier. D'accord. Qui a même eu une toque au Goemio, il y a des années, qui s'est retrouvé au chômage à plus de 50 ans et qui s'est retrouvé sans rien. Et là, maintenant, c'est lui qui repense les recettes. Qui repense, oui. Voilà. Mmh. Et ensuite, quand il a bien décidé comment les recettes allaient être faites, ils ont des traiteurs qui préparent les recettes parce que il y a des normes terribles, hein, pour la nourriture. Oui, on peut pas sûr. Faire ça n'importe où. Et ensuite, donc, ils les vendent. Alors là, pour le moment, ils n'ont 3 employés. Ils ont Denis, ils ont aussi Nathalie, qui elle a 54 ans et qui elle s'occupe de la vente. D'accord. Voilà. Alors, ils ont plein de projets, hein, ces petits, parce que quand ils ont vu ça marcher et qu'ils sont très dégourdis, c'est des ingénieurs quand même. Ils n'ont rien à voir avec la cuisine. Hein. Ouais, non, non, rien à voir. Créatifs. Voilà. Ah oui, ils sont fantastiques. À la fin de l'année, là, ils vont ouvrir des stands un peu partout dans les gares de banlieue, mais aussi dans les grandes gares parisiennes. Ils vont mettre un petit stand à la gare Montparnasse. Et ils vont même ouvrir un restaurant dans la gare Montparnasse pour les personnes qui prennent le train sur les grandes lignes. Mmh. Qui va tenir le stand ? Eh ben, chaque fois, un stand ouvert, un senior embauché. Ah. Et ça, ils le promettent, pour favoriser l'emploi des seniors. Mmh. Et alors surtout, ils vont aller dans les... Alors ça, je trouve ça fabuleux. Ils vont aller dans les maisons de retraite pour rencontrer les grands-mères et les grands-pères et leur demander leurs recettes. Alors l'idée au départ, une fois par mois, ils vont commencer par ça. C'est très bientôt, hein, là, ça va arriver très vite. Ils vont leur demander leurs recettes. Ils leur demandent les ingrédients. Ils ramènent tous les ingrédients. Et
avec quelques-uns, ils sont quelques-uns eux-mêmes, et puis d'autres bénévoles, et ils vont venir préparer les recettes avec les personnes âgées pour les distraire, pour les occuper. Il y a même des associations de grands-parents isolés qui sont intéressés par la chose, et ils vont faire pareil pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et puis respecter cet héritage aussi. Exactement. Moi, je les trouve fabuleux. Mais je trouve ça très intéressant. De toute façon, il y a vraiment... L'idée est bonne. L'idée est bonne. Hein. Ils sont tout jeunes. Quand on a passé une vie à faire une recette, on en connaît tous les détails et on a plein de petites choses qu'on peut dire pour la réussir sans difficulté. Ça. Et c'est génial de recueillir ça. Oui. Partager tout ça. Moi, je suis très touchée par ce Mais oui, c'est clair. Ce serait intéressant que ça fasse naître beaucoup de postes, enfin, autant que possible, de postes de seniors qui, quand même, ont besoin de survivre, des fois avec des petites retraites, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Et ils ont l'idée de faire ça. Alors, d'emmener tout ça, nos grands-mères ont des talents, dans toute la France. Et ils m'ont dit, même mondialement, ils voient déjà propager tout ça dans le monde entier. Ça t'intéresse, ça t'intéresse énormément. Oui, Daniel, vous allez exporter cette idée au Japon. Et aux États-Unis, comment on dit que nos grands-mères ont du talent en anglais? Our grandmothers are very talented. Oh my God, je suis très impressionné. Vous savez que votre grand-mère, quand elle est partie aux États-Unis, elle ne parlait pas anglais. Ah, formidable. J'ai fait quelques progrès. Non, mais c'est quand même incroyable. Bon, merci Brigitte pour cette initiative. On encourage évidemment ces jeunes ingénieurs créatifs. Bien sûr. Idée effectivement de respecter l'héritage de ces. Je remarque qu'on parle toujours de partage. Toujours là. On parle de cuisine et partage. C'est une obsession. Ça va ensemble. C'est une obsession. Mais obligé. On est obsédé par tout ce qui crée des liens dans cette société. C'est vrai, il faut penser comme ça maintenant. Et tout seul, on est tout rabougri. Absolument. Tout seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Et des fois même, on va plus vite. Et parfois, exactement. Bon, merci les enfants, merci les camarades, merci Julia d'être venue parler de votre maman si spéciale, si singulière. Et puis c'est vrai que, Daniel, je suis ravie de vous avoir rencontré. En plus, on est du même coin, ma grand-mère est d'Alassac. D'accord. C'est pas très loin. C'est pas loin. C'est ça que je salue toujours Tata Paulette qui est toujours là-bas. Et merci beaucoup, Daniel, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Merci pour votre confiance. Moi, je rappelle que on a passé un moment... charmant. Pour moi, charmant, intéressant, vivant, joyeux. J'ai trouvé quelqu'un qui est derrière la caméra, qui habite Cachan. Mais oui, c'est vrai. Voilà, et puis bon, j'ai trouvé plein de gens. Vous voulez dire qu'on est un peu une grande famille, en fait. Vous habitez Antony, ben voilà. À la limite de Bourg-la-Reine. Je suis née à Cachan, j'ai passé toute mon enfance à Cachan. Sur Bourg-la-Reine, on allait ramasser les épis de blé après les moissons. Ah bon ? Quand j'étais petite. Ça a bien changé. C'est la campagne à Paris. De toute façon, vous savez quoi, Daniel ? Faites gaffe parce que tout le monde a envie de faire partie de votre famille. Donc, on va dire, ça va, on s'organisera. Exactement. Bon, merci. Ma cuisine de l'Élysée à l'Antarctique. Il y aura 50 recettes par la cuisinière de François Mitterrand, ça c'est le titre. Et franchement, quand on va cuisiner, on pensera à vous. Parce que vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. Dommage. Et puis en plus, vous avez parlé de partage. Comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci de nous en avoir fait gagner. Merci à vous pour votre fidélité. À très très vite. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez ému par le témoignage d'Amorina Vinclair. Un récit rare et courageux, celui d'une femme née et élevée au sein d'une communauté sectaire, où elle sera victime d'une emprise psychologique terrible. Ce n'est qu'à 17 ans qu'elle trouvera la force de s'extirper de l'horreur, le début d'une nouvelle vie. Dans cette secte, la doctrine du gourou avait instauré des pratiques de pédophilie et toutes les femmes étaient prostituées à l'extérieur également. À l'âge de 7 ans, je vois des choses sur les plus petits que moi et il y a quelque chose qui se passe en moi, quoi. Je vais voir une assistante sociale au lycée pour que ça puisse mettre en route en fait quelque chose qui est lié à la protection de l'enfance et des mineurs. Donc je suis tétanisée intérieurement, mais j'y vais.